Bonne cuisse de lama. C'est excellent. Nebois, tu fais quoi? Jean-Fils, qu'est-ce que tu fais là, gros? Mais tu fais quoi, Nebois? Mais gros, je suis en train de manger ton lama. T'as mangé mon... Mais non, mon pauvre lama, tu l'as fait cuire au feu de bois. Non, t'es sérieux, Nebois? Mais gros, tu veux goûter? Tiens, je te passe une cuisse de lama, tiens, goûte. Mais comment oses-tu? T'as pas honte, Nebois? Tu es mon pauvre lama pour le déguster? Non, t'es sérieux là? Mais il est excellent, c'est super bon du lama grillé, c'est mon plat préféré, j'en mange tous les dimanches matin, Jean-Fils. Mais Nebois, pourquoi t'as fait ça avec mon lama préféré? Bon, Jean-Fils, tu sais très bien que je me serais pas permis de faire ça sans autre possibilité. En fait, ce lama-là, bah, comme tu le sais, il vaut 1 euro, non? 1 euro, mon lama? Si tu le dis. Bien sûr, c'est un lama à 1 euro. Mais moi, je peux te promettre que si on réussit à retrouver le trésor de ce château, on va trouver un lama qui vaut 1 million d'euros et qui est bien plus beau et plus gros que celui-là. Mais je m'en fous qu'il vaille 1 million. Moi, c'est sentimental. Moi, j'aimais bien mon lama. C'était mon lama préféré et toi, tu le manges. Mais gros, si tu veux, je te donnerai un morceau de côte. Comme ça, tu pourras le garder près de toi dans ton lit. Bon, allez, cherchons après ce lama là. T'es sérieux, t'as intérêt à me le trouver. Parce que si je le trouve pas, ce nouveau lama, je vais me venger et je vais manger ta jambe, mec, ok? Gros, mange pas ma jambe. Je vais faire comment pour courir après? Ça va être compliqué, gros. Hein, ah, bah tu pourras pas, justement, mec. Bon, ici, Jean-Fils, comme tu peux l'apercevoir, c'est des catacombes, donc des restes d'un ancien château. Mais j'ai cru entendre qu'il y avait un passage secret qui s'y cachait et qui permettait d'aller au trésor directement. Il est où le passage? Secret, Nebois, ouais. Mais le passage secret, je peux pas trop t'aider, mais il paraît qu'il est caché derrière des bambous. Des bambous derrière géants. Des bambous? Ici, y a des bambous, mec. Oh, c'est bon ici! On peut couper des bambous, mec. Ouais, vas-y, mec, coupe les bambous, ouais. Gros, je vois un truc derrière en plus, y'a des insignes. Oh! Gros, y'a des insignes égyptiennes? Gros, c'est du lama, c'est l'écriture lamanienne. Ah, c'est l'écriture lamanienne. Ouais, c'est ça, il faut être un lama normalement pour pouvoir lire ça, donc je te laisse le lire parce que c'est toi le roi des lamas. Examinons le mur, attention. Oh, il me semble qu'il doit avoir des choses qui doivent rentrer dans les slots, dans les endroits là, tu vois les formes. On doit insérer des choses, Nebois. Ah ouais, ça se voit, on peut y mettre directement. Oh, gros, il y a une pierre là. C'est ça l'entrée des catacombes est juste ici, Nebois, mais elle est bloquée par un gros caillou géant. Gros, je suis presque sûr que si on trouve les artefacts, ça va faire un code secret qui va permettre d'ouvrir ce chemin. Il faut absolument les trouver, gros. Mec, il faut trouver des artefacts, t'es en train de me dire. Oh, là, regarde. Oh, c'est quoi ça, ce truc? C'est une artefact pyramidal, je pense. Ok, donc il faut en trouver 3 exactement. Si je me souviens bien, il y avait 3 trous dans le mur. 3 artefacts, oh, juste ici. Il y a une lumière, regarde, c'est ici, hop. Et hop là, c'est bon, j'ai un deuxième. Bien joué, gros. Les dernières, Nebois, tu penses? Bah alors là, je sais pas du tout, hein. Je m'y connais pas trop ici, en forêt de bambounienne. Donc il doit se trouver par ici, dans les alentours. En forêt de bambounienne, t'es en train de me dire, mec? Bien sûr, une forêt remplie de bambous, c'est une forêt bambounienne. C'est bien ça, ouais. Bambounienne, ok, d'accord. Oh, par contre, oh, c'est bon, j'ai vu! Elle est juste là! La dernière artefact, on est passé juste à côté, gros. Mais non, gros. Ah, mais ouais, mais en plus, elle était. Mais gros, t'as vu que c'était un lama forgé dans le bois juste ici? Oh! Oh! Oh, j'avais pas vu! Waouh! Gros, il est énorme! Ça, c'est un lama à 1 milliard d'euros, ça! Gros, c'est 1 milliard d'euros, mais je peux t'assurer que celui que tu vas trouver par la suite, il est encore plus impressionnant que celui-là. J'avais pas vu que c'était un lama, bien vu. Moi, je pensais que c'était un arbre géant. Oh là là, le pauvre lama. Ok, c'est bon, on peut placer les artefacts. C'est parti, Nebois. Et t'as intérêt à trouver le lama à la fin, Nebois, j'espère. Gros, regarde! La pierre vient de se bouger un petit peu. Je pense que si t'appuies sur le bouton juste là, ça va peut-être l'ouvrir, non? C'est la pierre, attention! Oui, ok, maintenant on est dans les catacombes, Nebois, j'ai peur des endroits comme ça. Gros, c'est, il y a souvent des gros rats géants qui se cachent dans les catacombes comme ça. Attends, je peux... C'est quoi ça? Gros, on est tombé dans un ancien... C'est quoi? C'est une ancienne pièce secrète de lama? Attends, tu vas me dire qu'on va trouver un lama à 1 million d'euros dans ces genres de catacombes? On va juste trouver de la poussière et des chauves-souris, Nebois, t'es sérieux? Impossible, c'est toujours dans des endroits pareils qui se cachent des coffres secrets, donc crois-moi bien, ça va se cacher ici. T'es en train de parler d'un trésor, t'es en train de me dire, là? Un trésor? Ben oui, un lama à 1 million, c'est quand même un trésor, imagine 1 million de V-Bucks, c'est quand même pas mal, hein? Oh les gars, attends, mais regarde, ça c'est quoi, ça? C'est un levier? Gros, actionne-le, fais attention, il y a peut-être des pièges, hein. Oh, il y a peut-être des pièges, c'est vrai que ça c'est très lugurien, hein. Là, il y a un autre, levier. Qu'est-ce que ça a fait? Mais gros, ça a rien fait du tout, gros. Aïe! T'es sérieux, gros? Ah, je me suis pris un pic! T'es pris un pic. Oh, gros, j'ai trouvé un artefact! Oh,
Et un levier en plus de ça. Attends, j'ai activé le levier, qu'est-ce que ça a fait? Ça a ouvert une porte ou oh, pas? Oh gros, wait, si, il y a un énorme trou qui vient de s'ouvrir. Vas-y, rejoins-moi en haut, gros. Attends, j'arrive, il faut que je bait le piège parce que je suis le pro baitonneur. Ouais, fais attention aux piques, hein, parce qu'ils sont assez violents. Je m'en suis pris un dans le pet, mais ça va, je m'en sors bien. Allez, magnifique. Ah oui, c'est cette porte-là, elle vient de s'ouvrir. Oh, c'est génial, Sanobo. Attends. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Dans quoi est-ce qu'on sait arranger Nobo? Ah, non, ça... Non, tu sais c'est quoi? C'est un labyrinthe, Nobo. Oh non, c'est un labyrinthe, labyrinthien. Mais quand je me souviens, enfin moi j'utilise toujours la technique de suivre à droite. Mais tu m'as dit l'autre fois que ça marchait pas vraiment de suivre toujours à droite quand on est dans un labyrinthe. Mais non, ça fonctionne pas, gros. Suis-moi et je vais t'amener à la sortie. Parce que moi je suis le pro labyrinthien, mec. Oh, ok, d'accord. Fais gaffe, il y a une araignée sur ta tête là, mec. Oh, quoi, une araignée? Aïe, aïe, vite, retire-la, fais quelque chose, vite. Touche mes cheveux. Aïe, mais mets pas des patates dans la tête, ça fait mal des patates comme ça. Bah, gros, c'est une grosse araignée, donc je me dois de mettre une grosse patate dans le crâne de l'araignée, mec. Ouais, c'est clair. Par contre, j'ai une question à te poser, Jean-Fils. Oui, c'est quoi? Qui va partir avec le lama au final? Parce que moi aussi, je veux ma part, hein. Comment ça? T'as déjà eu. Ta part, elle est dans ton ventre. T'es sérieux ou quoi, mec? Ouais, c'est vrai, il était trop bon, ton lama. Mais. Oh! Regarde, il y a des confettis. Oh, regarde les rochers! T'as vu les rochers qui sont en train de tomber? Oh non, ils vont essayer de nous tuer ou quoi? C'est quoi? Regarde, il y a un artefact qu'il faut récupérer là-bas. À mon avis, c'est la clé pour pouvoir ouvrir la porte qui est juste là, Nobo. Ouais. Ah ouais, effectivement, et regarde juste ici, il y a des leviers. Mais à quoi ça servirait ces leviers? Attends, activons un levier. Oh, attends. Oh. Oh, what? Ah ouais, d'accord, attends, il faut activer peut-être les trois torches. Vas-y, ah, ok, là ça a bloqué la pierre, regarde, t'as bloqué la pierre. Oh. Non, bon, la porte est ouverte, c'est bon. Wow. Gros, oh, c'est quoi ce rocher géant, gros? Comment on va faire pour passer? Il est énorme, gros. Mais gros, c'est impossible de passer, comment on va faire? Attends, il faut pas... Oh, il faut foncer. Gros, attends, je vais prendre l'artefact. Oh, gros, j'ai vraiment peur, vas-y, prends l'artefact. Ok, passe. Oh. Oh, c'est bon. Jean-Fils, j'ai aperçu... Oh, gros! Un coffre? Un trésor? Tu penses c'est le trésor, gros? Gros, pour moi, c'est le lama à million, ça peut être que ça, gros, hein? Regarde, toi, tu récupères le diamant là, moi, je récupère le lama à 1 million, ça va? Ok, je prends le diamant, hop, je mets dans ma poche. Oh, mon dieu, le lama à 1 million! Gros, lama à 1 million! Mais maintenant, il faut trouver le moyen de sortir d'ici, parce que si on sort pas d'ici, on pourra jamais repartir avec le lama! Mec, on va trouver un moyen, t'inquiète pas. Merci Nobo. Oh, il est trop beau ce lama. Merci. Ah, t'as vu, je t'ai dit que t'allais être beaucoup plus content avec ça qu'avec celui que t'avais avant. Mais je suis quand même triste que tu l'aies mangé là. Oh là là, après tu vas aller aux toilettes et tu vas faire caca du lama. Oh non, mais c'est horrible. Et par contre, je pourrais aussi goûter ton lama à mignon ou tu veux pas? Goûter, t'es fou quoi, tu vas pas le manger? T'es fou toi? Bah pourquoi je peux pas manger ton lama? T'es sérieux ou quoi? Mais t'es vraiment pas gentil avec moi. T'as pas intérêt à manger mon lama en fait, je te le dis direct. Oh regarde, y'a des torches, qu'est-ce qu'il faut faire avec ces torches, mec? Je pense qu'il y a un code couleur à suivre, hein. Je pense pas que c'est ça. Ouais, regarde, elles sont toutes de couleurs différentes. Ah ouais? Ouais, oh! Bah gros. Oh mais c'est bon, ça fonctionne, mec! Ah, c'est génial! Je sais vraiment pas comment t'as réussi, mais t'as vraiment de la chance en tout cas. Mec, parce que j'ai la force du lama à 1 million d'euros sur mes épaules, n'oublie pas, Nobo. C'est vrai, en plus j'ai vu que t'avais les gants de Thanos, donc t'as la puissance de toute la planète! Et bam! Aïe! Waouh, c'est tellement puissant! Oh! Gros, Jean-Fils, t'es où? T'es mort? Me dis pas que j'ai perdu le lama! Non, Jean... Ah non, c'est bon, je l'ai! Oh, ok, j'ai eu peur pour le lama! Par contre, toi, à mon avis, c'est. Gros, tu. Oh. C'est moi! Mais t'as peur de rien? Mais c'est bon, on va dire, il y avait juste deux trous tortugés. Ouais, trop facile! Par contre, ici. L'artefact est juste là, trop facile à récupérer! Hop là, merci! Par contre, ici, il y a des têtes de crocodile avec une langue qui dépasse et des coques! Des gros coques! Des gros coques crocodiliens! Ah, on peut activer une lumière. Attends, vas-y, j'active le spot, quoi. On va faire une soirée ici ou quoi? Vas-y, activons toutes les lumières pour voir ce que ça fait. Okay, attention. Vas-y, active celle-là et moi j'active ici, celle-ci. Et ça fait rien? Non, parce qu'il y a encore une lumière là-bas qui est pas allumée là. Pourquoi elle se désactive quand j'en active une autre? Parce que je pense que... Oh. Ah c'est bon, c'est bon là, les 4 sont activés. Wow. Ah oui c'est bon, regarde, je sais pas qui vient de s'afficher juste ici. Exactement, c'est parfaito de la mortadellos. Ouh, j'avais pas vu le piège. Ouais vas-y, attention au piège, perfecto. Perfecto, mec, j'espère qu'on a bientôt fini la map là. Oh, ça ressemble à une sortie, gros. Oh oui, let's go, on a réussi, mec. Yes. On a réussi à capturer le lama à 1 million d'euros, je suis trop content, ouais. Et voilà les amis, on a réussi à capturer le lama à 1 million d'euros. Et en plus, on a réussi à s'échapper du temple. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Donc si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas ton like, ton commentaire. Et bien sûr, me suivre sur les réseaux sociaux. Personnellement, je te kiffe sur le, je te fais plein de bisous, on se dit à la prochaine, ciao, ciao.